syndicat national des enseignants-chercheurs, SNEC, a tenu ce lundi 6 janvier 2020 une assemblée générale au sein de l'université Omar Bongo. Assemblée générale qui a permis au bureau et aux membres de faire un panoramique sur les activités menées en 2019. Réunis ce jour donc en assemblée générale du SNEC pour faire donc le point sur le bilan de nos revendications. Nous avons constaté malheureusement que les engagements que le Premier ministre avait eu à prendre à l'ENSET, à l'amphithéâtre de l'ENSET, mais n'ont pas été respectés. Et à ce sujet, la décision a été prise tout simplement de nous retrouver le mercredi, donc dans deux jours, à Wenge à 14h, pour l'Assemblée générale de Dynamique Inter. Et le temps sera donné donc, à cet AG par rapport au problème de revendication. Nous savons qu'il y a de l'argent et l'État doit au Gabonais, et l'État doit payer ce qu'il doit au Gabonais. Et ça, qu'on monte ou qu'on descende, eh bien, ce sera non négociable. Je crois que donc, sur ce point, nous ne sommes plus à l'ère des forums, nous sommes maintenant à l'ère des réalisations. Affiliés à la Confédération syndicale dynamique unitaire, ces derniers ont profité de cette occasion à lancer un appel à tous les travailleurs à la Grande Assemblée Générale qu'organisera la Dynamique Unitaire le 8 janvier prochain au terrain de basketball d'Awenji.